ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Père, bon Dieu avec nous. Amen. Nous saluons nos mes bien-aimés dans le nom puissant de Jésus et nous comptons avec aujourd'hui dans un nouveau jour, un nouveau mois que le Seigneur lui-même l'a fixé pour nous et nous capables de souhaiter chaque monde, chaque frère et soeur nous qui là, chaque ami qui avec nous dans le moment, nous capables de souhaiter un bon mois d'octobre 2020, mois du brisement. C'est comme ça que le Seigneur lui-même l'y voyait pour nous capables d'entrer, pour nous capables de faire voyage là, dans le dixième mois à Néa, mois du brisement. Merci Seigneur, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fait que au compte matin, on a présent Seigneur. Amen. Et vous vivez dans un moment pour t'en dévoiler. Fais cœur content. Parce que vous êtes capable de t'en dévoiler, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à l'ouvrir la Bible avec moi. Dans Psaume, chapitre 34, le verset 19. Merci, Seigneur. Faut capable de jeûner dans la version créole là, dans verset 18. Alléluia. Merci Seigneur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Amen. Adorable Père Saint-Jésus, Papa nous qui dans ciel là, nous vous merci pour parole. Et nous m'adons tant prie, Père, béni parole ça et permettre à ce que chaque petit tout qui l'a joigne une parole. Parole qui peut édifier. Et non, on va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur. Nous disons, bon Dieu, merci pour Josa, mes bien-aimés. Et nous disons, bon Dieu, merci pour moi, ça. Nous disons, merci pour 30 jours que l'été fait nous passer en bien, dans moi, de la crainte de Dieu. Nous disons, merci parce que l'été fait nous passer un bon mois, de septembre, et l'y entrer avec nous en grande pompe, dans le dixième mois, nous entrer dans le dernier trimestre à Néa, et le Seigneur lui-même, lui vient entrer dans le dernier trimestre là, avec le brisement. Et pour qui ça, mes bien-aimés, le Seigneur vient avec le brisement. Libanon pour thème, brisement, et comme parole, comme texte de référence, Libanon l'Éternel, est près de ceux qui ont le cœur brisé. Qui sa brisement y est? Le Seigneur ban nous brisement, qui sa brisement y est? Le nom ou est brisement, nous a tiré un verbe là-dedans qui s'est brisé, le verbe brisé. Et qui, verbe ça, nous joigne dans latin. Latin, c'est brisare. Qui ça veut dire? Il veut dire fracasser. L'opre brisare, c'est fracasser. C'est une action, lors de fracasser, c'est action pour craser, pour casser un bagaille, pour casser, pour mettre en miettes, en différentes pièces, ou casser l'eau en pot, le pour craser, il fait plusieurs morceaux. Donc c'est ça, fracasser, hein? C'est l'action pour remplir, pour mettre en plusieurs pièces, ou encore le fait d'être dans un état d'affliction ou bien d'anéantissement rude. Là, on prend le mot hébreu. Hébreu, ils ont utilisé le terme daka pour traduire. Et le regardez, mot ça, le mot hébreu daka, terme ça, qui généralement ils traduit par qui ça par écraser, ils ont écrasé, c'est même phénomène fracassable, et foulé ou bien opprimé, brisé, mais on l'autre côté tout, au pralouais, ils ont utilisé contrit.
ou bien abattement, ou bien humilié. Et ça, pour voir dans la deuxième partie verset A, il dit, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est toujours même pensée A. Brisement, mes bien-aimés, le bon Dieu dit, li beaucoup de tout le monde qui a un cœur brisé, tout le monde qui est en situation de brisement, parce que c'est un passage. Son passage qu'on est capable de comparer à un désert dans la vie chrétienne, dans la vie croyante, que lui doit faire face à lui-même chaque jour, dans le pèlerinage terrestre, tout autant que nous sous terre, ça n'a passé par le brisement. Tout autant que nous sous terre, ça, mes bien-aimés, n'a passé par le brisement. Pour quelle raison? Parce que brisement est indispensable, mes frères et sœurs. Parce que l'Ipral aide petit bon Dieu, hein? L'Ipral aide petit bon Dieu à crucifier la chair, parce que son véritable combat est son combat rude que vous menez à la chair, contre la chair. Ou à camper en face de la chair 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que pour atteindre la chair a taclé ou, la chair a tiré flèche sous ou, pour empêcher d'atteindre statue de l'homme fait à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jean lui dit nous ça dans Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Donc, ou a goumé, et pour combat ça, c'est dans le brisement li fait, parce que c'est la chair ou a crucifié, et ou pral crucifier la chair par le brisement. Alléluia. Ça fait l'indispensable, mes bien-aimés. Dans la vie, tout petit bon Dieu, dans la vie, tout croyant. Et on est capable de prendre un exemple en premier lieu, regarder un exemple de brisement, et on prend le brisement, mes bien-aimés, qui ça le fait, lui permettre, premier bagage que le fait, lui permettre que on sorti dans l'état orgueil là. Lui permettre que orgueil là, on chasse loin de vous-même. Parce que l'homme, naturellement, lui orgueilleux. On pousse servir bon Dieu, on pas capable servir bon Dieu avec orgueil. On faut passer par le brisement pour capable chasser tout orgueil la caillou. Le nous prend exemple histoire ou Nebuchadnezzar que nous connaissons très bien, que nous jouons dans le livre Daniel au chapitre 4, les versets 28 à 37. Donc son parfait exemple, mes bien-aimés. Côté ou praloué, ou Nebuchadnezzar, très orgueilleux, rempli à orgueil, arrogant comme lui seul, vante tête li a battre l'estomac li que li bâti un empire avec propre force li avec propre moyen au lieu que li tabay bon Dieu gloire et bien li ramasse toute gloire bon Dieu yo li prend toute gloire pour li li gonfler tête li même arrivé à monter statue li pour yo adorer et bien qui ça le Seigneur fait pour le Seigneur bal on le son pour le briser orgueil là la caille wa Nebuchadnezzar pour craser orgueil là-bas, quand il débute à Nedja, eh bien, bon Dieu dépouille le premièrement de gloire sa culte by tête li, et bon Dieu fait le réduire, le réduire dans l'état bête sauvage. Le mettez dans le même niveau avec bête pendant 7 ans, afin que les capables apprennent ce qui s'appelle l'humilité, afin que les capables apprennent sacré les brisements, afin que les capables apprennent sacré les diminuer ou descendre devant bon Dieu, pour bon Dieu capable monter, pour bon Dieu capable prendre place dans la vie. Et bon Dieu fin punir, et après 7 ans, après une sincère repentance, mes bien-aimés, eh bien, les restaurer. Les restaurer. Premier bagage que brisement fait la caillou, c'est chasser orgueil qui la caillou. Parce qu'on pas qu'à servir bon Dieu pendant qu'on orgueilleux. Avec un orgueil, on pas qu'à venir devant bon Dieu. Parce que tout autant qu'on orgueilleux, c'est ou même, c'est tête ou pas pour bon Dieu. Et regardez, deuxième aspect que nous jouons là-dedans, c'est que bon Dieu capable d'utiliser brisement tout mes bien-aimés comme qui ça comme un moyen pour tester intégrité nous pour tester œuvre que li ban nou yo. Regardez histoire Job. Nous regardons nous allons prendre histoire Job tout. Histoire Job li montre nous que bon Dieu permet que nom ça li privé de tout bien, li frappé juste dans namni, li frappé, li blessé, li crasé, santé le petit li. Eh bien, pour t'éprouver fidélité à l'égard de l'Éternel. Mais malgré maladie, malgré pauvreté, malgré solitude, malgré incompréhension, et même deuil, mes bien-aimés, Job pas de jambe renier bon Dieu. La paix bon Dieu avec vous. Job pas de jambe renier bon Dieu, mes bien-aimés.
et tout zami, yo te considéré ça que t'as passé Job là, yo te considéré Job tant qu'un homme qui châtié à cause de un supposé péché caché que Job t'a fait, et pourtant, c'est pas de ça du tout. Mais finalement, qui ça que t'es passé? Job t'est sorti, n'entend des preuves ça encore, puis béni qu'auparavant. Alléluia. Et surtout, Job t'est sorti avec une révélation puissante, mes bien-aimés, bon côté Seigneur. Car que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Et sa parole, bon Dieu, faut qu'on est dans 1 Corinthiens 3, les versets 12 et 13. Donc, mes bien-aimés, troisième aspect que nous sommes capables de prendre en brisement, c'est que brisement mène nous à un renoncement. Parce que pour passer dans brisement, il faut qu'on renonce. Et renoncer pour faire qui ça? Renoncer pour capable permettre accomplissement volonté, bon Dieu. Donc, si vous ne pas renoncer à tête ou, vous ne pas arriver dans l'accomplissement volonté, bon Dieu. Parce que, l'ogade parole, bon Dieu, il faut connaître, il faut connaître que mépriser, alléluia, merci Seigneur, et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs, hein? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La paix, bon Dieu, avec vous. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 3, 5. Donc, mes bien-aimés, prophète Ésaïe, il était prédit la venue du Christ. Qu'on s'attoure, il était prévu, il était prédit épreuve que tu as pas traversé. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus acceptait brisement. Le Seigneur Jésus acceptait qu'il était brisé. Il était enduré affliction, il était rejeté, il était accepté rejet, il était accepté moquerie, et bien d'autres affronts encore, il était pris pendant le ministère terrestre, pas qui ça, par obéissance à la volonté de Dieu. Vous regardez que le Seigneur sorti dans la crainte avec vous, quand il était appris nous le respect, il était appris nous la soumission, il était appris nous l'obéissance, vous pouvez passer par le brisement, car les besoins arrivés dans le statut parfait là. Les besoins arrivés à l'image fait, alléluia, à l'image d'homme fait. Oui, non, Jésus-Christ. Les besoins rivés, les besoins semblés tout mauvais à Jésus. Donc, regardez le Seigneur Jésus comme modèle parfait, mes bien-aimés. Il renonçait à volonté pour le faire volonté papa. Il renonçait à parole, à faire parler pour le faire à faire papa. Lorsque il acceptait, supportait supplice la croix pour le capable racheter nous, pour le capable racheter n'importe qui qui prononçait parole, ça, qui dit oui, moi, quoi. Parce que il dit. Quiconque croit en lui, la paix, bon Dieu, avec vous. Donc, mes bien-aimés, jugement, le brisement, alléluia, les servir pour assujettir chair, pour craser chair, pour broyer chair. Quand nous tous connaissons, chair a des désirs qui sont contraires à désir l'esprit. Ça, l'esprit a voulu, c'est pas ça la chair voulu. Au conflit, ça, mes bien-aimés, qui est permanent. S'il pas passé par le brisement, si la chair pas brisé, eh bien, il pral entrer, il pral prendre le dessus sous l'esprit. Et ça fait pral ouais, il y a des mondes, il y a des chrétiens malgré yo en dans l'église là, mes bien-aimés, mais yo pas gain rien pour yo ouais à chrétien. Yo pas gain rien pour yo ouais à l'esprit, car ceux qui vivent selon l'esprit affectionnent les choses de l'esprit. La paix bon Dieu avec eux. Donc si pas vivre selon l'esprit, les choses de l'esprit pas capable d'intéresser eux. Donc nous devons accepter mes bien-aimés et nous devons chercher chaque jour à crucifier la chair, à crucifier toute passion à l'instar de Jésus qui en tant que Dieu, 100% homme, 100% Dieu, eh bien il pas hésité pour te jeûner pendant 40 jours et 40 nuits pour être capable de faire face carré alléluia à assaut Satan. Mes bien-aimés, le Seigneur voyait brisement pour vous. C'est pour être capable aider vous. C'est pour permettre tout faire
transformation ça pour capable river sembler tout bon vrai. Parce que brisement ma bien-aimé, objectif là c'est pour l'aider au supporter patiemment. Tout ça qui vient comme souffrance, tout ça qui vient comme persécution, ou a besoin dans monde ça. Eh bien, si ou pas passer par le brisement, ou pas capable supporter, ou pas capable prendre. Car la parole de Dieu faut qu'on ait bien-aimé. Ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Si l'on vous dit des injures pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est blasphémé par eux, mais il est glorifié par vous. 1 Pierre 4, 13 et 14. Donc attention mes bien-aimés, pour nous finir, pas confondre brisement avec réprimande. Brisement pas réprimande. Et qui leur connaît qu'on est capable de traverser une période de brisement, eh bien c'est lorsque on fait face à épreuve douloureuse, alors qu'on connaît où doit devant bon Dieu. Donc dans ce cas, rassurez-vous. Que bon Dieu permette que ça arrive pour perfectionnement. Et pour pas, et le pape manquer, pas de délivrer au laisse arriver. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu passe avec, que bon Dieu, alléluia, permette que vous arrivez à passer étape ça au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur.